Bonjour et bienvenue dans ce nouveau magazine consacré au métal. Et vous l'avez vu, bien sûr, ça va être assez trashy. C'est le numéro 1 aujourd'hui, ça s'appelle Blashyrkh, Blashyrkh TV. Pour ceux qui ne connaissaient pas l'émission radio, eh ben c'était Blashyrkh Radio sur Radio Zygomar. Mais là, on est sur Perpignan Info, on va vous montrer de la bonne vidéo. Au programme aujourd'hui pour ce premier numéro, rien que du bon, le concert de Finntroll, Amoral et Naglfar à Montpellier, au Rockstore, avec une interview, des morceaux live. Vous avez tout ça pour vous, et puis bien sûr le Chacal pour vous accompagner tout au long de cette heure, qui sera mensuelle bien sûr, puisqu'on ne va pas non plus en faire des tonnes et des tonnes, on se concentre justement sur ce qu'on nous a donné. Et pour l'instant, eh ben, on va essayer de retrouver notre premier morceau, qui est un morceau live enregistré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au Rockstore à Montpellier. Il s'agit bien sûr de la première partie, les petits jeunes de Amoral, qui nous font un On the Flesh, qui est plutôt costaud. Vous allez voir, c'est un petit death metal suédois assez caustique. Le chanteur manque peut-être un poil de testostérone, mais en tout cas ça va se faire très très bientôt. Les musiciens sont très bons et je crois que vous allez voir que la foule était déjà en délire pour cette première partie d'exception. Tout de suite, on se retrouve après bien sûr ce morceau de Amoral et on va faire une fête d'enfer après avec les Finntroll. Vous allez voir, ça va être génial. Allez, on regarde le clip. Blood is mighty raven dark. So time for chop off some yamba. Yeah. Other flesh! We'll be right back.
Blashyrkh Mighty Ravendar. Amoral donc avec On The Flesh, un extrait de leur dernier album qui est plutôt bien senti dans la critique. Et d'ailleurs sur scène vous avez pu remarquer que c'est assez chevelu. Vous avez vu du squash et puis aussi beaucoup de slam. Ça l'a fait plutôt pas mal. Et un service de sécu assez light et assez consentant à... Bien sûr, les efforts des slammers pour entrer sur scène, ce qui est quand même plutôt pas mal. La salle était bondée et le son était relativement très très bon, même si moi j'ai pas pu mixer comme il fallait. Mais bon, enfin. Là, c'était Amoral. On va tout à l'heure, bien sûr, se passer un extrait de la deuxième partie qui était Naglephare. Mais tout de suite, je sais que vous attendez tous et toutes, bien sûr. Vous attendez tous et toutes Finntroll, et ben c'est tout de suite, c'est maintenant. On va se faire un encart d'à peu près une vingtaine de minutes sur Finntroll avec un extrait du concert, une interview et un autre extrait du concert. Ça commence par Troll à Marraine, après on retrouve Wilska en backstage et on va parler un petit peu de tout ce qui se passe au niveau métallistique en Finlande et ailleurs. Allez, à tout de suite. We're not here to sleep. All right. Those of you who might know, there's a new guy behind the keyboards. Right there, give a big welcome for my man, Junior Alexi. And my brother here, he's going to lead you guys into a song called Trollhammeren.
Parbleu. I'm with Wilska from Finntroll. Hi, Wilska. Hello. After the outing of Netford, awaited so much, you finally came back on stage. Which is your first assessment? Tonight's crowd was amazing. I am beyond words. We're today, this is 13th, 14th day we're on the road. So we are a bit wary at this moment. We're worn down, but just getting on the stage and seeing that crowd going so hard, it just put a lot of adrenaline into that. And at this point again, I'm a happy man. All of us know about your scenic ferocity. Do you have some new wounds of war to show us tonight? No. Not tonight? Not tonight. Not tonight. I'm still a bit on the edge after the concert, so. You dance on the wage and you fall sometime? Yeah, I do. I am at this point feeling still the burdens of the past 13 days, and I'm a bit broken everywhere, so. It's too rare to see you in France. Did you find today the odds of fans necessary to a nearest return? Well, first of all, yeah, we have not played in France that much. And that is beyond us. We play where we are booked. So we haven't gotten to play here that much, but we hope to do that a lot more in the future, because in France, every time we have done France, the audiences are great for us, and I appreciate that very much. So I think you can bet on seeing us a lot more around here from now on. All the dates are connected on the rhythm of hell. You are not afraid to finish on the knee? No, I will. When this tour is over, I'll be either insane or dead, but I don't know. It's another thing that I want to think about too much at this point. And now you feel good? I feel like excellent. I mean, considering what has happened, I'm still relatively good, so. I don't see at this point the material that we have for the next album, for example, that there's a place for female voices. But on the next album, I think the vocal part, my part there, is going to be a lot more varied, trying to get different styles of vocals in and try to experiment new stuff. But on Not Third, that was the reason we didn't want to bring any outsider. We wanted that album to be a band record. It's us six people, the band, what we do best, like playing together. And but I don't know, let's see what the next album brings, because we're already writing songs for that. We're going to the studio in September to record that. It's going to be released probably February or March next year. And if it happens as it happened with the last album, you can hear it in December, because it will leak on the internet. I have no doubts about it. Some people who will get the promos will leak it in the internet, which I, by the way, hate very much, because I mean, I download music from the internet, but what I don't want to do is if I find an album by fellow musicians that is going to be released 2 months in advance, I think that is just wrong. But as a joke, yeah, you can probably hear it by December in the internet, but let's see what happens. Love me.
is Finntroll. We are from Finland. And this song is called Fiskarens Fiende. Finntroll donc avec les deux machines à slammer que sont Troll à Marraine et Fiskaren Fiende, du bon Oompa Metal à la sauce finnoise. Vous avez remarqué qu'ils se sont donnés à fond et le public était là aussi pour donner le retour à ces superbes musiciens. En tout cas, moi je dis bravo et chapeau parce que c'était quand même pas évident à la base de balancer de la polka finnoise dans du métal, et ça a été fait avec brio sur les albums que sont Minnatend With Under et bien sûr Nat Fod, le dernier album en date, avec tous les péripéties bien sûr que le groupe a connu, le décès de leur batteur, le regretté batteur donc de Finntroll, et aussi la disparition de la scène et bien sûr des studios de leur chanteur à cause d'une tumeur à la gorge. En tout cas, le flambeau a été repris avec brio par Wilska, que vous avez vu très très véhément à propos des downloadings de métal. Bon,
Moi, j'ai une chose à vous conseiller. En tout cas, si vous voulez vraiment télécharger quelque chose, télécharger un morceau d'un groupe comme ça pour justement vous donner une impression, mais évitez quand même de télécharger tous les albums complets, puisque de toute façon, l'intéressant dans un album, c'est aussi, et bien sûr, le artwork qui est quand même assez somptueux en général dans les pochettes de métal. Bon, nous allons nous quitter quelques secondes, bien sûr, le temps d'une page de publicité. Comme vous savez, et comme je vous l'ai annoncé, Blashyrkh, ce n'est pas fini, ça dure une heure. Alors, essayez de rester au moins pendant 3 minutes de plus. Après, on se retrouve avec Naglfare et un extrait scénique de leur dernier album, Paria. Et puis, bien sûr, tous les petits clips qui font le charme de cette émission. Vous ne le savez pas encore puisque c'est la numéro 1, mais vous allez voir, à mon avis, vous allez apprécier. Tout de suite, c'est la pub. Mighty Raven Dog!